Depuis quelques semaines, Némi fait face à de nombreuses catastrophes dans un si grand soleil. En effet, la fermière est mal pour son label bio puisque William, son voisin, a déversé des pesticides partout dans son champ. Si pour le moment, elle ne pouvait rien faire contre cela, elle décide d'agir contre la maladie de Lancelot. Elle a donc enlève de force le cheval, avec elle, aide de Ludo. Mais elle, agression de William a rebattu les cartes. Ce secret va semer une discorde inévitable entre Némi et Hakim dans les prochains épisodes, diffuse du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022 sur Elle, antenne de France 2. En effet, le policier Etresse remonte contre Némi à cause de ce mensonge. Mais pour protéger son frère et son amoureuse, il est prêt à prendre des risques inconsidérés. Au fil des jours, Hakim, pour soulager la détresse de Némi, mène son enquête au grand dam de Manu, qui le voit sans rien dire. Mais grâce à Alex, il ne le balance pas. De son côté, le policier interroge Elodie et ses employés. Il arrive à mettre la main sur le coupable. Par la suite, Bilal comprend que son frère est toujours assez remonte contre Némi. Il lui demande alors de faire un pas vers elle pour parler de ce problème. Il admet que le rapprochement avec Ludo était que pour le cheval. Au bout de plusieurs jours de dispute, ils se réconcilient, plus amoureux que jamais. Eve, de son côté, poursuit sa mission de tentatrice avec Rudy. Si pour le moment, les gestes d'affection sont présents, les informations ne viennent pas avec. Elle mène son investigation, mais au cours d'un dîner, elle croise Mo alors qu'elle est dans la peau de la bibliothécaire. De peur de se faire démasquer, elle disparaît sans laisser de traces et Rudy reste dans elle, incomprehension. Mais elle réussit à recoller les morceaux avec Rudy alors que Valentine désespère. Eve, au bout de cette semaine, finit par dénicher des informations compromettantes, faisant pencher la balance du code de la jeune femme. Elle comprend qu'il a été victime d'une arnaque. Cherche à tout prix à se venger, mais sans succès. Claudine, face à ce franc succès, suggère à Eve et Dimitri de monter une agence de tentateurs à Montpellier, à condition qu'elles prennent une part de 40 de leur chiffre d'affaires. La petite provoque un coup de tonnerre chez Sabine. Les aventures des habitants de Montpellier et à retrouver dans les futurs inédits de la série Un si grand soleil, diffuse du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2.